Grâce à la crise de la zone euro, l'Allemagne a gagné beaucoup d'argent. L'hebdomadaire allemand d'information Der Spiegel, qui publie cette information, a fait le calcul pour arriver à 41 milliards d'euros d'économies. Tout simplement par la réduction des intérêts de la dette que l'Allemagne contracte vis-à-vis des investisseurs qui lui prêtent de l'argent. La forte demande pour les titres de dette allemande, explique Der Spiegel, a fait baisser les taux auxquels l'État fédéral emprunte sur le marché obligataire. À un degré moindre, et pour la même raison, on peut dire que l'État français a également gagné de l'argent.